bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et nous retrouvons donc le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Alors que retentit l'hymne de l'UEFA Champions League. Regardons maintenant les deux compositions. Début de la rencontre. S'il le trouve. La tentative. La parade, superbe. Oh, le gardien est là, la classe. C'est un super arrêt, fine save. C'est toujours encourageant de tirer les premiers, n'est-ce pas? Ça devrait les mettre dans de bonnes dispositions pour la suite. Thiago Motta. Il y a peut-être un coup à jouer. Et ce ballon sur l'aile. Il a du champ sur le côté. Cristiano Ronaldo. Et l'arrêt, magnifique. Ah oui, là c'était magnifique. C'est vrai qu'ils ont laissé filer quelques occasions en route, mais il faut reconnaître qu'ils montrent beaucoup d'envie sur le terrain. Je pense que ça va leur réussir tôt ou tard. Le Real Madrid qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt Cristiano Ronaldo? Aucun danger pour le gardien. Mais c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très très compliqué. Marco Verratti. Il choisit là-bas, sur l'aile. Bien joué ça. Quel geste! Cristiano Ronaldo! La faute. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Voilà un coup franc qui est une occasion de but. Et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre. Oh, c'est fabuleux! C'est un but phénoménal! Yes! Go! Oh, quel geste! C'est magnifique! Waouh, c'est une frappe fantastique! Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance! Ça fait donc 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Neymar. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Oh, Benzema. Il tente de la jouer dans l'espace. Isco. Il y a danger. Carvajal. Il essaye de faire la différence côté gauche.
Le bon dribble. Il repique dans l'axe. Cristiano Ronaldo. Oh, c'est loin du cadre. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Marco Verratti. Il écarte, il joue sur l'aile. Il est passé. Un centre tendu, à ras de terre. Il ne se pose pas de questions. Non, il n'a pas joué le ballon là. Le drapeau s'est levé, hors-jeu. C'est une belle remontée de la défense. Le hors-jeu a parfaitement fonctionné. Le gardien loin devant. Benzema. Il choisit la profondeur. Il est à distance de tir. Dans la surface. C'est parfait, magnifique. Il est en bonne position pour centrer. Il a tenté, bien joué. Cristiano Ronaldo. Mais ça passe tout près du poteau gauche. Oh, c'était pas loin ça, à peine quelques centimètres. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur à part, du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie. Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Un premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Grégoire, mais je pense qu'il mérite beaucoup mieux. Regardez les stats et surtout le nombre de tirs. Le Paris Saint-Germain qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance et ça fait toute la différence pour le moment. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Un petit but d'avance, ils font la course en tête pour l'instant. Ah, il est bien monté. Marcelo, il a de l'espace, bien tenté. Casemiro. Il décide d'allonger le jeu. Oh, Cristiano Ronaldo. Il écarte le jeu. On joue sur l'aile, il est servi. Le bon dribble. Et il prend sa chance. Ouais, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Il y a mis du cœur, mais il est-il loin quand même. Et marqué à cette distance, ça restera. Oh, quel geste! Il récupère le ballon. Oh, Benzema! Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. C'est bien fait. Et il repique au centre. Personne n'arrive à se saisir du ballon. Il peut frapper. Pas de chance sur ce coup. Ouais, c'était pas loin. L'équipe entière tourne autour de lui, c'est clair. À la limite, l'équipe joue pour lui. Il joue dans l'espace. C'est bien fait, ça. Toni Kroos. Neymar, qui a un peu d'espace. Bonne lecture de la trajectoire. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent, non? Exact. Cristiano Ronaldo, à côté. Oh, il faut le garder à l'œil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. Qui résiste à la charge. Raphaël Varane sur l'aile gauche et il a du soutien.
Il est lancé vers le poteau de corner. Bien joué, ça. Il tire. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. À 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. On sait de quoi il est capable. C'est vraiment un joueur que j'aime regarder jouer. C'est le talent à l'état pur du football moderne. Le Real Madrid qui peut construire. Il va au duel. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. C'est joué long. Benzema, la relance côté droit. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Long ballon dans le sens du jeu. Ça joue à gauche. Attention, ça peut aller vite côté gauche. Quelle inspiration! Encore quelques instants, ils pourront fêter la victoire. Il va falloir qu'ils se réveillent, ils n'ont qu'un petit but d'avance quand même. Thiago Motta. Il s'est fait prendre sur un ballon anodin. Ça peut partir en contre. Benzema qui choisit le côté gauche. Marco Verratti. C'est terminé, l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir.